Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, vous me voyez tout heureux. Eh bien, nous allons essayer, avec mes invités, de dresser le portrait robot d'un ministre. Vous me poserez la question de savoir, mais quelle légitimité avez-vous pour dresser le portrait robot d'un ministre? Vous n'avez jamais été. Oui, mais les ministres, on en a vu défiler, hein. On a vu ce qui était bon, ce qui était mauvais. Mais là, il est question de demander à ceux qui viennent d'être nommés de tout mettre en œuvre pour de donner une petite place dans le Panthéon à construire, parce qu'il y a effectivement, depuis 60, il y a des ministres qui ont laissé leur nom. Il est question de ressembler à cela. Pour présenter cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Un très gros plan de votre visage. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Guy Barbier. Deuxième invité, Monsieur, comment je l'appelle encore, puisque il est tout nouveau, Patrick, Jean-Patrick Moussenga, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Et enfin, Norbert Yomba-Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Alors, je le disais en ouverture de ce programme, c'est quand même prétentieux, hein, de vouloir dresser le portrait quand vous n'avez pas encore été en situation de ministre. Mais c'est aussi légitime parce qu'ils sont là pour nous et nous en avons vu défiler des bons, des moins bons et des mauvais. Alors, notre souhait est que ceux qui sont là aujourd'hui ne puissent pas ressembler aux mauvais et très mauvais que nous avons connus depuis notre indépendance. Alors, Monsieur Bonigaba, qu'est-ce que vous avez envie de dire? En ouverture, un bon ministre, ce serait lequel? Ce serait celui qui aurait quelle qualité? Oui, c'est vrai que la question est assez vaste, ouverte, pour qu'on ne puisse pas avoir une réponse percutante là-dessus. Mais je crois que nous avons tous des attentes, nous en tant que citoyens, on nous demande d'être des citoyens exigeants. Donc, nous devons attendre de nos ministres des qualités assez rares, parce que si c'était n'importe qui qu'on pouvait prendre pour être ministre, alors ce ne serait plus, comme vous venez de le dire, des ministres de qualité. Donc, nous attendons de nos futurs ministres des qualités assez exceptionnelles. La première, normalement, devrait être celle de ne pas arriver là-bas pour commencer à apprendre ce qu'on va faire. Parce qu'un ministre arrive dans ses fonctions pour régler des problèmes. Ce n'est pas pour aller apprendre ou découvrir des problèmes. Mais nous savons dans quel contexte nos ministres, le gouvernement a été formé. Donc là, nous sommes très loin de ce profil-là, parce qu'il fallait coaliser les gens, il fallait prendre dans tous les bords politiques, ce qui fait que nous allons devoir être indulgents dès le départ, parce que ces ministres-là, au profil idéal, nous risquons de ne pas en avoir un grand nombre. Mais je constate qu'il y a quand même des figures qui inspirent confiance. Attendons voir comment ils vont se mettre à l'ouvrage. Mais d'ores et déjà, on peut dire que le profil idéal, ce serait au moins d'arriver en sachant exactement ce qu'on va faire. Après, on cherche des collaborateurs qui vont justement aider à régler les problèmes que vous avez à régler. Mais si vous commencez à chercher ailleurs que là, il faut aller chercher ces gens-là, alors là, c'est sûr que vous allez droit dans le mur. En tout cas, ne pas encourager ce que, disons, le cabinet soit l'endroit où vous parlez
votre langue d'origine, enfin, notamment, on est au cabinet, pas pour ça, mais pour autre chose. Monsieur Norbert Uyambayama. Merci, Monsieur Kibambi. D'abord, coup de chapeau, bravo pour votre ingénierie professionnelle de choisir parfois des sujets désintéressés qui ne vous apportent pas grand-chose, mais qui permet au pays de se relever. Et ça, c'est quelque chose que je suis de temps en temps très reconnaissant, parce que le Congo, j'allais dire qu'il se trouve dans une salle d'urgence. Il faut lui chercher des médecins, quoi. Mais n'envoyez pas des stagiaires. Sinon, vous allez planifier la mort complètement. Là, on a cherché des militaires, enfin des soldats. Il faut des soldats. Il faut des soldats et nous saluons le Premier ministre qui a fait un exercice pour chercher le concept qui correspondrait. Les warriors, des guerriers. Mais il n'y a pas de guerriers si on n'y va pas sur les champs de bataille. Et les champs de bataille pour nous, c'est la pauvreté de notre peuple. Il faut avoir de l'imagination pour assassiner la pauvreté. Raison pour laquelle cette thématique serait très intéressante si nous arrivons à définir très clairement quel devrait être le profil de ceux qui se réclament guerriers pour assassiner la pauvreté. Première compétence, parce qu'il y a une différence entre compétence et diplôme. Beaucoup de diplômés, mais peu ont des compétences. Cependant, la première compétence utile, c'est cette compétence relationnelle. Celui qui a l'énergie, qui renvoie, et qui a la responsabilité de considérer tout un chacun comme devant lui apporter quelque chose pour faire avancer son job. Parce que généralement, M. Kibambi, on a connu des amis, on était très amis le jour où il est nommé ministre. C'est très clair. Même la manière de répondre, n'est-ce pas, à un bonjour, ça change. La manière de marcher, ça change. La manière de regarder, ça change. Il semble que c'est ça le charisme. Et donc, voilà un homme qui construit une autre planète où il s'éloigne des hommes et des femmes qui auraient pu véritablement servir d'unité d'observation pour lui donner la matière pour résoudre le problème. Et donc, il faut avoir cette compétence relationnelle. Il peut avoir même des collaborateurs. Mais il est difficile à discuter avec ses collaborateurs. Moi-même, j'ai fait la consultation pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'ailleurs. Quand on regarde, le ministre ne parle même pas avec ses conseillers, vous imaginez. C'est difficile parce que c'est maigrichon. Entre-temps, ses conseillers ont été recrutés pour apporter la matière, etc. C'est un danger public. C'est un danger public, c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et donc, ces compétences relationnelles sont utiles. Marchez comme vous marchiez avant. Est-ce que ça vous empêche de dormir que de marcher comme vous le faisiez avant? C'est pas correct, c'est ça. Il faut également une compétence éthique. Une compétence éthique, M. Kibambi. Le pays est en difficulté. On a besoin des hommes intègres. On a besoin des hommes engagés. Pas des hommes qui viennent, au lieu de dire, comme disait mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le challenge? Ah non, ils recrutent des hommes et des femmes pour dire... Où est-ce qu'on peut avoir l'argent ici? Et quelles sont les vraies sources de financement, etc. Alors, cette étiquette risque de compromettre l'avenir de toute une nation. Je voudrais également dire qu'il faut également des compétences techniques. Monsieur Kibambi, vous ne pouvez pas gérer un ministère qui y a des ramifications nationales si vous n'avez pas la capacité de planifier ce que vous êtes capable de faire. De prioriser naturellement ce qui est d'urgence, ce qui peut venir en court, moyen et long terme, et la manière de mobiliser les ressources, la manière de répartir les tâches et la manière d'organiser les suivis et les évaluations par rapport aux différentes, à l'exécution des problèmes des activités qui sont réalisées. Cette capacité est non négociable. Et malheureusement, ça, ces capacités-là, ne fait pas beaucoup d'attention. Tout le monde commençait, tout le monde parlait français, etc. Et ça s'arrête là. Un grand ministre, une éminence, simplement parce qu'il parlait français. Cette capacité technique nous donne la possibilité de savoir évaluer les résultats. Comment on va considérer une réalisation comme un résultat? Vous n'allez pas énumérer toutes les qualités laissées
aux autres le loisir continuer. Bien, merci. Pendant... Non, allez-y un peu. Non, non, c'est comme pour dire que un bon ministre, c'est quelqu'un qui sait déterminer l'idéal de ce qu'il doit faire. Quel est le maximum attendu? Et ça, travailler de manière que son travail soit perfectible pour atteindre le maximum. Même si on n'atteint pas, mais on sait comparer les scores. Vous ne pouvez pas, on vous donne la responsabilité de construire une route jusqu'à Matadi, c'est 350 km, vous faites 2 km, vous dites, vous ne voyez pas comment nous on a réalisé. Ah non, 2 km sur 350, mais ça ne représente rien. Et donc vous êtes dans la réalisation, mais vous n'êtes pas dans le résultat. Coup de chapeau, j'ai vu le scénario que mon ami connaît. À un moment donné, avec le gouvernement Ilunkamba, on avait même organisé une formation ce qui est axé, le résultat. Axé sur le résultat. Donc, voilà. Le résultat, axé sur le résultat. Donc, on a besoin vraiment que cela soit domestiqué, que cela soit internalisé dans les chefs de tout un chacun. Encore qu'il faut avoir une bonne ceinture. Un homme qui n'a pas la ceinture, le pantalon tombe. D'accord. Mais si on va recruter les copines à la cité pour les responsabiliser, moi je ne dis pas que les copines ne sont pas compétentes, ça se dit non, ça va de soi. Mais quand on recrute sans critérium, ça devient un danger public. Tout à fait. Alors, monsieur Moussenga, vous êtes sociologue, c'est votre pain quotidien, ça. Exact. Monsieur Kibambi, c'est toujours un peu compliqué de parler après les aînés. Et surtout que je fais mes premiers pas en profondeur, vous voyez, mais bon, on essaye. Vous savez, il y a un sociologue qui dit, on ne peut pas commencer à parler de choses sans bien les définir pour que ceux que vous écoutent et ceux que vous liront après puissent se mettre au même diapason que vous. Le ministre, vous avez dit dresser un portrait robot d'un ministre. J'ajoute à ce que mes aînés ont dit, vous voyez. Moi, je pense à mon niveau, un ministre, c'est d'abord un serviteur. Il y a toujours le rôle et le statut. La plupart des ministres se contentent des statuts, de son statut de ministre. Refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui. Un serviteur, c'est d'abord celui qui doit savoir quelle tâche, quel rôle doit-il jouer ou quelle tâche doit-il remplir pour bien servir. Lorsqu'on ne connaît pas ce que l'on doit faire, on va mal servir. Donc, le ministre étant des serviteurs, ils doivent, dans ce qu'ils font, rencontrer ou donner des solutions, des réponses aux problèmes que la population pose, aux problèmes que la société pose. On n'a pas de ministre, comme venait de dire Yamba, qui, lorsqu'il vient, il doit d'abord chercher à connaître comment le ministre marche, comment le ministre habille, comment le ministre parle. Non, ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. La société est en crise. Et lorsque vous acceptez de servir une société telle que la nôtre, une société en crise, M. Kibambi, il faut que vous, que celui qui accepte puisse voir ce à quoi on attend de lui. C'est dont on attend de lui. C'est à quoi il va s'en tenir. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour apprendre, comme l'a dit votre invité sur ce plateau. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour des à peu près. Un serviteur, je reviens sur ça, un serviteur n'a pas sa volonté. Il ne réalise pas sa volonté pour partir. S'ils acceptent d'être ministres, ils se disent que ce sont des serviteurs. Mais en tant que serviteurs, ils ne peuvent pas nous amener leur pensée, leur volonté. Ils doivent voir ce qu'il y a sur place, le problème que la société pose, et trouver des solutions.
trouver de réponse. Je voudrais poser une question précise. Allez-y. Il faut pas faire peur à certains quand même. Parce que vous savez comment les ministres ont... Comment on devient ministre? On demande à... Mais il faut d'abord peut-être savoir s'immerger dans votre situation, dans votre secteur. C'est le moyen qui vous permettra de connaître, de vous familiariser avec les questions qui vous sont posées pour leur trouver des réponses. Parce que si vous dites qu'il faut connaître, alors ils vont se dire, mais moi je ne connais pas encore. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez vous immerger, vous allez écouter les autres. C'est ça aussi la possibilité, non? S'ils ne connaissent pas, ils abdiguent. Ils abandonnent. Ah non. Ah oui. S'ils ne connaissent pas, vous voyez, Yamba Yamba venait de le dire, nous sommes une société en crise. On n'a pas besoin de stagiaires. On a besoin de personnes qui viennent sortir le pays du gouffre. Et ça, il faut qu'il y ait des personnes vraiment d'abord des intéressés. C'est pas, vous savez, je vais peut-être vous faire rire, j'ai appris que le maréchal, lorsqu'il est arrivé en Chine, il était étonné de voir que la Chine se mettait sur l'oreille et il pose la question à Chetong qui lui dit, mais et chez toi, tu peux bien, mieux réaliser que ce que tu as vu là, parce que tu as tout le moyen. Et, mais à une seule condition, il ne faut pas avoir de compte en banque. Vous voyez c'est une anecdote que je ne connaissais ça, pas. Ça paraît banal. Et, il aurait dit qu'il ne faudrait pas avoir de compte en banque. Ça veut dire qu'il devait se donner pour son peuple. Et ne pas travailler pour lui. Ne pas avoir quelque chose... des choses, des propriétés, des choses qui lui appartenaient en propre. Et avec ça, il pouvait mettre le pays sur l'oreille. Et c'est la même chose. C'est ce que nous attendons de ce ministre. Monsieur Kibambi, vous pouvez vous imaginer, nous avons des gouvernements provinciaux, au nombre qu'on connaît. Et nous avons un gouvernement central. Ce gouvernement-là, central. Pourquoi devait-il avoir 56 ministres, 56 membres. Et tout ça, c'est pour montrer que quelque part... Ça s'est fait. Ça se fait, oui. Non, mais ce n'est pas ce que nous attendons de... Oui, exactement. Oui, c'est déjà fait. Exactement, c'est déjà fait. Alors, M. Bonigaba, c'est vous qui avez commencé à faire peur aux gens. Ben, moi, on m'a désigné pour devenir ministre dans tel secteur. C'est un secteur que je ne connais pas nécessairement, mais... Vous ne me laissez pas une ouverture pour que je puisse m'imprégner des problèmes qui sont ceux de mon ministère afin ensuite de recruter mes collaborateurs pour répondre. Non, pas le temps. Disons que vous nous avez invités à réfléchir sur le profil idéal. Oui, idéal, oui. Donc, lorsque vous nous demandez de vous dire ce que nous voyons comme profil idéal. D'accord. Alors ne vous attendez pas à ce qu'on cherche à s'accommoder. Dans le minimum. Oui, oui, à ce qui est là pour dire, bon, comment on va quand même. Ok, d'accord. On a parlé d'une société en crise. Parce que souvent, c'est ça qu'on perd de vue. Oui, mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand nous savons comment ils ont été recrutés, oui. On a donné des noms, leurs partis ont donné des noms. Mais vous vous attendez à ce que ces noms correspondent effectivement? En fait, nous voulons arriver à montrer à nos compatriotes qui ont été honorés, parce que c'est un honneur d'être serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ministre d'un pays comme... Pas seulement la République démocratique du Congo, d'un pays, être ministre, c'est un honneur. Bien. Vous avez eu cet honneur-là. Eh bien, ne perdez pas de vue que c'est une lourde charge. C'est une lourde charge. Parce que vous ne voyez que le côté, comme notre Norbert a dit, bon, le côté bling-bling, les gardes du corps de tous côtés, les enfants qui... Donc, on voit seulement cet aspect-là folklorique. Parce que vraiment, c'est le folklore, ça. On perd de vue qu'on est en train... On a été choisi pour apporter sa contribution au relèvement d'un pays en crise.
Donc qu'ils prennent conscience que la tâche est tellement titanesque que s'ils n'y mettent pas le maximum de ce qu'ils peuvent avoir comme aptitude, ils vont se casser la figure. Parce que le peuple, lui, n'est pas tendre pour dire « bon, mais vous savez, tout ça, hein, on les a pris un peu comme ça ». Non, le peuple ne va pas dire que... Il ne va pas accorder des circonstances atténuantes. Le peuple va dire « non, nous, la pauvreté est toujours là ». La guerre, elle est là. La guerre est toujours là. Il n'y a rien qui marche. Vous, vous êtes content de dire « tiens, j'ai fait 2 kilomètres sur 350 », vous êtes déjà content. Alors que le peuple veut que vous puissiez donner le maximum. Vous, vous avez 1 sur 10, vous êtes déjà content. Le peuple veut vous voir, effectivement, avoir 10 sur 10. Alors, du coup, l'exercice, évidemment, au sortir d'ici, je suis sûr que les amis qui sont nommés là-bas, ils vont se dire, mais ben là, par rapport au challenge qu'il y a là-bas, c'est sûr que nous sommes déjà quelque part disqualifiés, même avant le match. Mais c'est pour qu'ils puissent effectivement comprendre qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà. Ils ne sont pas partis là-bas en villégiature, hein, avec des téléphones maintenant de tous côtés, comme l'a bien décrit notre ami Ambayamba. Mais c'est vraiment pour, en fait, ne plus dormir. Parce que vous aurez tellement de choses à régler, vous aurez tout le temps que vous n'allez pas avoir votre temps libre comme vous l'aviez avant. Qu'ils se mettent ça dans la tête et que nous ne serons pas indulgents pour dire bon mais non vous savez c'est comme ça et tout ça. Nous sommes là pour leur dire vous devriez même avoir peur d'aller occuper les postes. Vous devriez avoir peur. C'est pour ça qu'il a dit s'il sent qu'il n'a pas des épaules assez larges pour faire face, il vaut mieux qu'il ait l'humilité de dire écoutez moi Excusez-moi, oui, je préfère laisser ça à d'autres. C'est cela, c'est à ça que nous voulons attirer leur attention. Merci Modeste. Alors, Monsieur Yamba. Merci beaucoup, je crois que le débat est assez intéressant, mais je me rappelle bien au début des années 90, lorsque le président Mobutu avait déclenché le processus de démocratisation. On avait à un certain moment posé la question à Thomas Kanza, paix à son âme, pour savoir s'il y avait des hommes et des femmes capables de relever les défis au Congo. Et Thomas dira, certainement qu'il y a des hommes physiques, mais croyez-moi, toutes les générations sont brûlées pour assumer avec compétence les responsabilités. Ceci, toutes les générations sont brûlées. C'est difficile, même parmi la jeunesse, on a difficile à trouver des hommes ayant un profil robot pour relever le défi. Mais il a dit, mais lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on va au front, on est capable de changer la situation. La problématique du profil du ministre dans notre pays est une question questionnante. Si je voudrais dire que c'est une question qui appelle plusieurs questions. Certainement qu'on définit ces profils, mais quel est le profil aujourd'hui de l'élite politique? Ce débat n'a pas eu lieu, M. Kibambi. C'est comme ça que je vous félicitais au départ. J'ai dit ces questions-là ne font pas l'objet des discussions, n'est-ce pas, entre les hommes politiques. Généralement, ce n'est pas n'importe qui devient ministre. Les partis politiques sont montés en ayant la configuration d'une république. Vous savez, le même chez nous, c'est déjà comme ça. Non, on n'est pas là. Nous, on est en train de parler de l'idéal. Mais j'ai dit, quand vous regardez l'ossature d'un parti politique, le président, c'est qu'il a des ambitions de devenir chef de l'État. Tout à fait. Le secrétaire général, c'est le premier ministre potentiel. Les secrétaires nationaux sont des ministres. Et vous pouvez aller à différents échelons administratifs, les gouverneurs, les présidents fédéraux, etc. Et lorsque vous êtes en réunion, M. Kibambi, je fais la consultance, je travaille avec 43 pays en Afrique où j'enseigne la structuration du parti politique. C'est un problème réel. Dans les discussions à l'intérieur du parti politique, vous avez un chargé d'environnement,
Vous savez, un chargé d'agriculture, des droits de l'homme, dans les différents secteurs de la vie. Mais on ne discute pas de ces questions. On ne discute pas. S'il y a une réunion, c'est pour préparer une marche. S'il y a une réunion, c'est pour préparer un meeting. Mais la personne qui est chargée, n'est-ce pas, de l'environnement, ne connaît même pas quelles sont les lois disponibles par rapport à la question. Donc, on ne connaît même pas l'état des lieux. Et donc, les gens se complaisent. Le jour où il arrive, même s'il a été secrétaire national en charge de l'environnement, tout est étrange. Parce qu'il ne connaît pas l'existant. Et il commence à chercher. Et ici, il se trouve, il a des pressions devant lui, où sa famille, ses amis, ses copains, etc. Chacun veut être dans sa ceinture. Il ne se pose même pas la question, quel sera le résultat à atteindre. Et là, ça devient un danger. Et c'est comme ça que mon frère Moussenga pouvait avoir raison en disant, mais il faut abandonner. Mais on ne peut pas abandonner parce que nous avons cette classe politique. C'est comme ça que M. Kibambi, et vous connaissez bien la France plus que moi, il y a des hommes qui deviennent des spécialistes de la non-spécialisation. Mon ami, il est sociologue, ben, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas maîtriser l'économie. Et il peut retrouver, il y a l'autoroute de l'information. On peut, vous parlez de toutes ces questions-là, mais vous êtes journaliste. Mais lui, c'est comme un politologue, mais et pourtant c'est un économiste. Il a écrit plusieurs livres, je connais mon type. Et vous-même Je suis spécialiste, j'embrasse plusieurs, parce qu'il faut avoir une vision large. Et on a besoin que les gens travaillent. Et c'est là que j'ai rejoint mes deux frères. Bon, tout à fait, vous les rejoignez. Alors, en disant ce que vous venez de dire, que la structuration de nos partis politiques n'est pas celle qu'on aurait dû attendre, donc, par là, vous admettez que certains qui sont là devront s'immerger vraiment avant de commencer à résoudre. Tout à fait. C'est comme ça que ça commence par la ceinture. On n'est pas censé tout connaître. Nous avons des hommes, comme nous, les cas d'espèce, on ne va pas inventer. La formule, c'est d'entendre de l'autorité morale qui vous désigne des gens. Peu importe leur profil, et vous les encaissez. Mais vous avez des défis qu'il faut véritablement relever. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin d'une ceinture. Il faut savoir choisir des hommes et des femmes qui peuvent vous aider. Très bien. À mieux maîtriser les choses. Encore que vous aussi, vous devez travailler. C'est pas Mais généralement, les personnes qu'on vous demande de recruter devraient être de votre parti, même s'ils ne connaissent rien. Ça aussi, ce sont des corrections. Alors maintenant, le débat contre la pauvreté, ce débat-là doit commencer aujourd'hui. Parce que, regardez, même ce qui va mieux, même quand on discute à la télé, faites une analyse, c'est pas par rapport aux différentes émissions qui sont organisées. Vous allez voir que 90% des émissions sont des émissions de divertissement, en dehors des journaux télévisés, etc. Vous voyez, pour que vous ayez une telle émission. Les gens me disent, mais vous êtes avec M. Kibambi. Là, ce sont des messieurs qui sont invités. Parce qu'ils parlent des questions de la République. Mais le reste, c'est pour. Il y a une guéguerre pour savoir auréoler le prestige, n'est-ce pas, de son autorité morale, etc. Et on s'arrête là. Et la question de la pauvreté, pour savoir, nous entendons, en ayant tel délai, quel type de résultat, ça, cette question-là n'est pas encore de mise. Et nous avons intérêt, franchement, que nous puissions en discuter, encore que, bon, qu'on nous écoute. Et bon. Ce n'est pas une obligation, ça c'est évident. Ça dépend aussi de la motivation. Si la motivation, c'est de faire les affaires, de faire le business pour faire la même chose que les Mobutu, c'est pour là, vraiment, ce n'est pas... C'est pas bon. Si, c'est cette, il faut enlever des têtes de ceux qui sont là cette motivation d'affairiste. Parce que le temps est contre eux et contre nous. Il est question de trouver des solutions. Et les solutions, des questions d'ailleurs, nous les connaissons. Il y a des urgences, il y a la guerre à l'Est, il y a la pauvreté. Il faut y aller. Il ne faut pas faire peur à ces messieurs et dames. Mais il est question de ne pas y aller pour faire de l'affairisme. L'émission que nous faisons, c'est une émission fondamentalement pédagogique. Oui. Nous mettons la barre très haut pour qu'ils comprennent que ils ont une charge, ils ont une responsabilité. D'accord. Et qu'ils ne peuvent pas se faire peur. Non, pas pour les faire peur. Bien au contraire, ce sont des garde-fous que nous mettons pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges. Moussenga. Monsieur Kipa, vous
Vous savez, lorsque l'on parle charge, l'on doit en amont parler préparation. Comment est-ce que vous chargez quelqu'un qui n'a pas été préparé pour porter cette charge? Ça, j'en viens à ce que Yamba Yamba venait de dire. Monsieur Yamba Yamba. Monsieur Yamba Yamba, vous voyez quelqu'un qui est premier ministre parce que c'est par la volonté de l'autorité morale. C'est parce que son parti... Ne critiquons pas, maintenant allons au feu, hein, nous avons ce que nous avons. Exactement, nous allons au feu. Lorsque l'on ne prépare pas les gens à assumer certaines fonctions... Supposons qu'ils ont été préparés. Bien sûr, en tout cas, moi je ne fais pas un procès d'intention. Je suppose qu'ils ont été préparés. Et pour ça... ils doivent se mettre en tête de le problème qui les attend, le poids de cette charge qu'ils doivent porter. Nous avons dit, et nous revenons dessus pour dire, qu'on est ministre pas pour faire sa volonté. Peut-être que votre volonté était de... faire des kilomètres. Mais la charge que vous avez, ce que l'on vous demande, c'est de faire 340 kilomètres. Ne venez pas nous faire votre volonté qui est de faire 2 kilomètres. Lorsque nous préparons, puisqu'il a encore évoqué, de la pauvreté. Mais je ne sais pas, quand est-ce que cette problématique pourra nous quitter l'esprit, nous autres là. Nous sommes en train de partir. Et nous allons laisser cela à nos enfants. Vous êtes jeune, vous avez encore du temps. Ne parlez pas comme nous. Oui, mais bon, je ne viens pas révéler mon âge ici. Bon, de toutes les façons, je pense à cette table et je suis le plus jeune. C'est bien dit. Vous avez encore le temps, oui. Alors... qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous leur demandez quoi? Mais ils vont bientôt commencer. Monsieur Kibambi. Ils terminent à peine les remises et reprises. Monsieur Kibambi, dans le job description de ministre, parfois, il y a les attributions qui sont mal traduites. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez le ministère de l'énergie, qui prend en charge la régie des eaux et la SNEL. Mais vous avez le ministère de eau et forêt. Quand est-ce que les deux vont se rencontrer? Où est-ce que les deux se rencontrent? Quelles sont les tâches spécifiques de chacun là où ils se rencontrent? J'ai lu les attributions de deux, je n'ai pas trouvé. Je donne un autre exemple. L'on parle des affaires sociales, des infrastructures, de la jeunesse et de formation professionnelle et classe moyenne. L'infrastructure cherche la main-d'œuvre. La formation professionnelle forme cette main-d'œuvre. La jeunesse et loisirs gèrent les jeunes. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Et quelles sont les tâches spécifiques là où ils se rencontrent? Cela fera l'objet sans doute des premières réunions de ministres où les choses seront précisées, non? On le croit bien. C'est comme vous l'avez dit, il faut au début être indulgent. Puisque nous ne connaissons pas les gens qui viennent. Mais ceux qui ont mis ce gouvernement en place auront le loisir et le temps de bien définir les responsabilités afin qu'on ne puisse pas trop cafouiller. Je reviens à vous dans un petit instant. Et alors, Monsieur Modeste. Oui, disons que l'émission a vocation à nous laisser dans les généralités. Tout à fait. C'est ça l'objet. Mais le comportement du ministre, oui. J'ai bien aimé la façon dont vous avez commencé.
l'autre, Yamba Yamba, qui a parlé des gesticulations et tout ça. Vous savez, Yamba Yamba, on le connaît. C'est un bon enseignant parce qu'il donne des exemples percutants, même si ce sont des exemples qui parfois font rire, mais ils font mal aussi. Effectivement, on a dit qu'il ne faut pas que les ministres commencent à savoir comment marcher, qu'ils commencent à se contenter des gardes du corps. Le plus important, c'est le travail. Désigner les personnes qui vont vous accompagner dans ce travail-là. Ces personnes ne devront pas être nécessairement de votre dialecte. Et d'ailleurs, nous le disions avant de monter, du temps de la Deuxième République, il était interdit, lorsque vous étiez ministre, d'avoir comme directeur de cabinet quelqu'un de votre province. C'était absolument interdit. Ce peut être des exemples à suivre, non ? À moins qu'on trouve que tout était faux, qu'on ne peut rien prendre de bon. Oui, parce qu'effectivement, je crois que le visage de la République... Oui. ...prend un sérieux coup lorsque vous arrivez dans un cabinet et vous avez l'impression d'avoir affaire à des gens, des membres d'une même tribu. Vous êtes citoyen congolais. Ce gouvernement est à votre service. Mais vous arrivez dans un ministère... Vous êtes étranger. Vous vous sentez complètement étranger. Parce que vous n'êtes pas de la tribu du ministre. Ça, c'est un sérieux coup donné à la République. Donc, si on pouvait déjà commencer par ça, oui, et dire, voilà, un cabinet, on sait combien de conseillers il y a dedans. Maintenant, évidemment, on est à 26 provinces, on ne va plus parler de provinces. Mais qu'on trouve un moyen de montrer que le visage de la République doit être partout, oui, où on passe. Tout celui qui passe dans un ministère doit se retrouver chez lui. Doit se sentir chez lui. Oui. Qui n'arrive pas et qui commence à demander si... D'abord, déjà, la manière d'être reçu. Oui. Est déjà un indicateur que vous n'êtes pas vraiment chez vous. Oui, oui. Vous n'êtes pas le bienvenu. Alors, le découragement est vite venu. Vous dites, non, je viendrai. Vous avez envie de rebrousser chemin. Ça, c'est quand même des signaux forts qu'il faut envoyer avec ce gouvernement qu'on appelle de l'union sacrée, qu'on montre qu'effectivement, on a une autre façon de voir la République. Depuis que ce gouvernement... Parce qu'on nous parle d'un vrai tournant. Eh bien, si ce tournant ne commence pas à montrer cela, c'est que ça aura été un tournant pour parler seulement. Donc, pour dire que les ministres ont la responsabilité de démontrer par leurs faits et gestes que ce tournant, c'est un véritable tournant et ils ont le devoir d'y travailler. Absolument. Modeste, Yambert. Avant de soi, parce que le dégât est très grave, M. Kibambi. La pauvreté est très, 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 très grave. J'allais dire gravissime. Et qu'on ne peut pas s'amuser. Lorsqu'on a une responsabilité, c'est un lourd fardeau. Il faut qu'on puisse ressentir cela. Si on ne ressent pas, c'est qu'on est en dehors du match. Alors maintenant, il faut faire beaucoup d'attention. Même le huissier doit avoir un profil. C'est très important, M. Kibambi. Parce qu'il n'y a personne qui... Tout le monde concourt à la réussite de... Si le huissier est mauvais et qu'il ne dépose pas le courrier, c'est une... D'où l'importance de choisir véritablement et sérieusement les collaborateurs. C'est important. Il y a 12 ans, j'avais mené une étude avec une dame, une journaliste belge, Marie Soleil, pour savoir combien de courriers arrivaient à la présidence. On avait, sans avoir vraiment la situation réelle, mais 2000 courriels, c'est-à-dire des emails, 3500 lettres adressées. Et on a fait des mâles et des mâles, pas d'accusé de réception. C'est ça, M. Kibambi. Et quand vous allez dans le ministère, quelqu'un est à Ikela, à 2000 km, il écrit une lettre. Non seulement que ça ne marche pas avec les postes et télécommunications, encore que ces côtés-là, il faudrait vraiment qu'on sente qu'on est en train véritablement d'avancer,
Mais il n'y a pas de réception, il n'y a pas d'accusé de réception. Il faut que nos ministres sachent qu'ils ont une responsabilité à ramification nationale. Oui. Il y a des problèmes qui se posent. Nous avons 1445 entités territoriales décentralisées, villes, communes, chefferies, secteurs. Tous ces gens-là ne vont pas faire un déménagement vers Kinshasa. Mais quand on écrit, il faut qu'on... Et puis, il y a combien de personnes qui quittent ces endroits-là pour venir à Kinshasa régler les réseaux ? Rien que pour des choses qui auraient pu être résolues par la commune. Par la commune. Et il va faire toute une année, mais c'est un opérateur économique, juste pour avoir un petit document. Non, c'est grave, M. Kibambi. On a tout démissionné. Et alors, quand vous voyez, quand même, vous êtes ministre, et que même dans les réunions, ce qu'on sait que, bon, il y a tel courrier, tel a pris, tel va acquiser, etc. Certainement qu'il y a des moments où on note que tel a pris. Mais on ne pose pas la question, M. Kibambi. On ne pose pas la question, mais toi, tu as reçu tel courrier, etc. Où est la réponse? Et on fonctionne. Et d'autres lettres, l'espace s'accumule. À ce moment-là, on ne fonctionne plus. On dysfonctionne. Bien entendu. Bien entendu. Et c'est là, justement, que ceux qui sont aujourd'hui ministres comprennent que nous sommes dans une situation difficile. Si nous disons ces choses-là, non pas parce qu'on est en train de lancer des boulets rouges, on vous met en garde pour que vous puissiez justement être attentionné de ce qui se passe. On ne peut pas délocaliser tout un pays, des villages vers la capitale. Encore que même au niveau de la capitale, ça dysfonctionne. Et donc, les gens trouvent un terrain fertile, même des graines pour y gérer, même bien. Donc, il faut qu'on arrête ça. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, qu'on puisse véritablement... Autre chose, M. Kibambi, j'en ai l'expérience parce que je travaille depuis plusieurs années avec des gouvernements, parfois à l'échelle nationale et provinciale, etc. Vous êtes ministre. Vous devez faire un déplacement, encore que cela soit justifié. Vous voulez aller à Mbujimayi. Ok, dans Mbujimayi. Vous allez faire quoi à Mbujimayi? Mais pour aller à Mbujimayi, il faut que vous ayez le plan qui a été élaboré en Mbujimayi, dans votre secteur, pour que vous sachiez qu'à tel moment où je suis en train d'aller en Mbujimayi, on va faire telle activité, je vais vérifier si cela a été réalisé. Uh-huh. Alors vous allez là-bas, et puis bon, le fafa sonne, et puis bon, on est assis là comme un roi, les réceptions, et vous n'avez même pas quelqu'un pour prendre note. Je suis désolé, hein. Je ne blague pas, on ne prend pas note. On ne prend pas donc des voyages pour rien. Des voyages pour rien. Et plus grave, parce qu'on a autant de personnes, d'accompagnateurs, pour donner possibilité à ces gens-là d'avoir le frein d'émission, etc. On les embarque tous. Qu'est-ce que 20 personnes, 30 personnes vont faire? Quelle est la tâche dévolue à chaque personne? Tout simplement parce que ce sont mes frères, il faut qu'ils gagnent le frein d'émission. Et pour que véritablement chacun puisse mieux vivre à ce moment-là, le Congo et les Congolais. Et souvent d'ailleurs, vous allez peser sur le budget du gouvernorat de Mbujimayi, parce que les frais d'émission que vous avez, c'est votre argent. Mais ce qui, Bambi, je termine par là, les collègues vont parler. Mais ceux qui quittent Kinshasa, ils vont aller déposer l'argent. D'abord, le transfert lui-même, il faut négocier, en fait. Hein. Il faut négocier. Même l'argent que vous voyez là, pour que ça aille, ce qui aurait pu être retenu à la source, ça devient une rétrocession, il faut négocier. Et quand ça arrive en province, les gens des provinces, là où il n'y a pas de banque, ils y vont. Et alors maintenant, ils donnent l'impression d'avoir payé, mais c'est cet argent qui servirait véritablement au paiement des hôtels qu'ils vont y occuper, etc. Il faut que ça s'arrête. Des grâces, il faut que ça s'arrête. Donc, sincèrement, aujourd'hui plus que jamais, nous avons un gouvernement de warriors, et des guerriers. Et non, montrez-nous que vous allez mourir sur les champs de bataille. Très bien. Vous savez, il y a des gens qui ont dit que l'administration, c'est la colonne vertébrale. Absolument. De toute une c'est nation. Connu. Lorsqu'ils parlent, peut-être les gens peuvent rire. Mais ça fait très mal. Dans le temps, vous allez vous rappeler que les choses fonctionnaient assez mieux lorsque l'administration était réellement tenue.
Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, par exemple, il ne peut pas craindre que les choses commencent à se faire au niveau de la base. Et s'il arrive à organiser que les choses se fassent au niveau de la base... Il a réussi. Il a réussi. Vous savez que dans le temps, Salomon, ceux qui veillaient à ce Salomon, c'était les chefs des rues. Et ce chef des rues pouvait faire un pays pour un général qui a refusé de faire les Salomon. Et quand ça arrive au parti, et le général avait des problèmes. Le pouvoir, l'autorité était rendue à ces vrais détenteurs. Lorsque nous constatons l'autorité qu'au niveau du sommet, c'est un échec. Puisque le chef de l'État, le premier ministre, le ministre ne va pas descendre là-bas pour résoudre le problème à la base. C'est au ministre de faire en sorte que... Exactement. Bon, nous ne pouvons pas seulement venir ici critiquer et tout ça. Nous devons aussi donner des propositions telles que celles-là. Le ministre doit se battre réellement pour que l'administration revienne. Maintenant, il y a un problème. Les ministres pensent ou trouvent, voient dans les secrétaires généraux une adversité. Alors que c'est les secrétaires généraux des secteurs qui patronne l'administration de votre secteur. Tout à fait. Secteur. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Un ami est allé à Nairobi, il voulait voir le ministre, et puis il est dans les services, on lui demande, vous voulez voir le ministre, pourquoi? Il explique, il dit, non, on ne voit, on voit pas le ministre pour ça. Voilà. Allez voir le chef de bureau. Voilà comment les choses... Nairobi, hein, c'est pas, je ne parle pas de la France. Et même pour cette affaire de recensement. On y reviendra, ça c'est un sujet où on va bientôt terminer. Un petit l'organisation, ça c'est vrai, il faut qu'on ait une autre organisation pour que les gens ne puissent pas commencer à se déplacer du Katanga, de Mbujima et de Tchikapa pour venir arranger de problèmes administratifs. Ça c'est une honte pour la République. Oui, parce que notre ami Moussenga a dit qu'il faut donner des propositions, faire des propositions concrètes. Parce que on ne va pas rester dans les généralités jusqu'à la fin de l'émission. Je voudrais vraiment être concret en ce qui concerne le choix des collaborateurs de nos futurs ministres. En fait, ils ne sont pas futurs, ils sont déjà ministres. On ne peut pas ne pas demander à ces ministres de veiller à ce que les grandes entités géographiques, n'est-ce pas ? Parce que maintenant, on a pris l'habitude de parler des grands Katanga, des grands Kivu, des grands Kassai, et ainsi de suite. Eh bien, ça nous ramène à peu près aux 6 provinces d'avant l'indépendance. Voilà. Faire en sorte que dans chaque ministère, dans chaque cabinet ministériel, on puisse avoir au moins ces figures-là qui proviennent de ces différentes zones géographiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à être ici. Vous venez du grand Kivu. Vous arrivez dans un ministère, mais vous êtes complètement étranger. Ou bien vous êtes du grand Katanga ou du grand Équateur, etc. Non, il faut que vraiment la République soit chaque fois reflétée dans un ministère lorsque vous y arrivez. Que les gens sachent que non, mais on ne peut pas ne pas gérer correctement ce dossier parce qu'il y aura quelqu'un qui va le dire, qui va montrer que non, pourquoi vous êtes... Je ne me retrouve pas. Vous êtes impartiaux. Donc, il faut qu'on veille au moins à ça, de manière vraiment très stricte, pour que demain, on puisse dire, tiens, mais l'Union sacrée, là, c'est effectivement quand même un tournant. Mes chers amis, l'émission est terminée. On a fait le tour, pas pour vous chatouiller, pas pour... non, c'est véritablement pour que les choses puissent avancer. Et vous qui avez suivi cette émission et qui avez de relations avec le ministre, souffle-nous l'un ou l'autre mot qui vous a frappé, l'un ou l'autre chapitre qui vous aura frappé, et vous verrez que le pays ne s'en portera que bien. Ceux qui sont conseillers, soyez véritablement des conseillers, n'ayez pas peur du ministre. Au contraire, dites-lui ce qui va,
si ça va, et dites-lui ce qui ne va pas si ça ne va pas, même s'il vous engueule. Demain, il se rendra compte que vous aviez raison et il vous rappellera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà terminé pour ce journal. Merci de nous avoir accordé votre sympathique attention et à la fois prochaine. Merci, messieurs.